Yo, 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 je suis très heureux, très content de vous retrouver encore aujourd'hui. Tu l'as remarqué, nouveau décor, nouveau visage. On a testé plein de choses ces derniers temps. Hein. Voilà, tu as dû voir des vidéos par-ci, par-là où on a testé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais on revient à notre vidéo classique, hein, à nos vidéos classiques comme tu l'as très, 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 très bien compris. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne ici, décrypte l'actualité, hein, voilà, hein, décrypte l'actualité. On parle de tout ce qui se passe dans la sphère mondiale, si je peux ainsi dire, non, juste pour rigoler. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler d'une grosse star, hein, togolaise, de la star montante togolaise. Il s'agit de Centrinos Raphaël. Centrinos Raphaël, il n'est plus à présenter. Il a fait sortir récemment son album Coup de cœur. Coup de cœur, voilà, qui est en train de promouvoir actuellement en Côte d'Ivoire. Donc récemment, il a pris son vol pour la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire où il a bien sûr d'ailleurs presté au prix MUD, le prix international des musiques urbaines. Donc les prix MUD qui ont beaucoup buzzé quand même cette semaine. Donc il y a presté, donc certainement ça lui a permis maintenant de tisser quand même quelques relations avec certaines stars, parce qu'il y a eu plein de célébrités qui étaient présentes là. Donc d'ailleurs, même au passage, sa prestation était très 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 très, très, très appréciée donc du public. Donc c'est validé, hein. moi je valide sa prestation, surtout que c'était sans micro, mais quand même géré très 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 professionnel quand même l'artiste. Donc en revenant sur le cœur même de l'information que j'aimerais vous donner aujourd'hui, c'est que on connaît tous ce son sur son album. Bon, bien sûr, pour ceux qui ont déjà streamé, hein, voilà, on sait tous que Centrinos Raphaël a fait une cross collaboration avec Baby Philippe, hein. Le titre c'est Kitty Bo. Moi je l'ai streamé à fond, hein, donc j'ai déjà écouté donc un peu le son. Donc voilà, actuellement ils sont en train donc de tourner le clip, hein. Ça peut tomber bientôt, hein. Ça peut tomber bientôt quand même le clip quand même. Donc voilà, Centrinos Raphaël a partagé même les clichés même de ce clip là. Voilà, ça peut tomber peut-être cette semaine ou la semaine prochaine, hein. Peut-être la semaine prochaine, je me dis bien. Donc Kitty Bo, cette collaboration va donc avoir maintenant, hein, voilà, son clip, le fameux clip, et j'espère que ça va vraiment booster l'artiste. Pour moi, c'est une très belle collaboration, et aussi une collaboration stratégique, puisque Baby Philippe, on connaît déjà sa notoriété, on sait qui il est, qu'est-ce qu'il représente dans la musique africaine aujourd'hui. Il est plus à présenter aujourd'hui, et moi je pense que ce feat va lui ouvrir vraiment beaucoup de portes. Et de toutes les façons, ça va aller crescendo, hein. Ça va aller crescendo quand même dans sa carrière s'il garde au fait ce même niveau de professionnalisme, si son équipe reste professionnelle comme ils le sont actuellement. Je pense que ça va péter, ça va jaser, hein. ça va jaser. Donc tout ce qu'on souhaite donc à Centrinos Raphaël, c'est de péter, de blow up, de take the world. Voilà, on veut qu'il explose tout dans le monde, dans ce showbiz mondial. Voilà, donc la grosse news du jour, Centrinos Raphaël, Baby Philippe, le clip arrive bientôt, restez scotchés. D'ici là, on se retrouve la prochaine, et n'oublie pas de t'abonner pour me soutenir sur cette chaîne, c'est très 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 important. Allez, cheers.